petit mot, j'ai compris qu'il fallait être rapide, donc je le serai. Pour vous dire notre plein soutien à la mobilisation qui est menée depuis maintenant de nombreuses années contre Europa City pour deux raisons au fond. La première, c'est qu'on a affaire à un discours qui est bidon et qui est honteux et qui vise à faire croire que ce projet serait un projet économiquement et socialement profitable. Quand on pense que ce projet est en réalité mené par la famille Muliez, quand on sait que cette famille Muliez s'apprête à supprimer 700 emplois dans la grande distribution, quand on sait par ailleurs que c'est une famille qui s'est spécialisée dans l'évasion fiscale, il se trouve que j'étais la semaine dernière à Neschin à la frontière belge. Vous allez à Neschin à la frontière belge, il y a toute une rue où il y a toutes les maisons de la famille Muliez qui s'est installée là pour ne pas payer d'impôts. Donc si ces gens ont vraiment envie de rendre service à l'économie française, qu'ils commencent par payer leurs impôts en France plutôt que de nous imposer des projets comme celui-là. Et puis deuxièmement, tout le monde le sait, tous les gens sérieux le savent, si on a envie de rendre service à l'environnement, il faut en finir avec l'artificialisation des terres et en finir avec le recul des terres agricoles. C'est la raison pour laquelle ce projet est une véritable aberration. Certains parlaient de prédation tout à l'heure. C'est évidemment de cela qu'il s'agit. Il y a d'ailleurs un vieux philosophe allemand qui s'appelait Karl Marx, qui était barbu, certains le connaissent peut-être ici, et qui disait « Le capitalisme s'attaque avec la même férocité à l'homme et à la nature ». On en a un bel exemple ici, et donc bien sûr, plein soutien à votre mobilisation, et les communistes seront jusqu'au bout à votre côté pour faire échec à ce projet. Bravo.